Bonsoir et bienvenue à toutes et tous dans le talk sur la Web TV de Web Girondins, l'émission qui décortique l'actualité des Girondins de Bordeaux avec soin et avec vous. Cette émission est en accès libre et elle n'est possible que grâce aux sociaux qui nous soutiennent. Donc si vous le pouvez, devenez sociaux, le lien est dans la description. Bonsoir Monsieur Samuel Vasselin. Bonsoir Nicolas Pietrelli, comment ça va? Ça va super bien, et toi? Je ne sais pas encore. Tu sais pas. Bon. Bon, en fait, il y a une nouvelle qui peut arriver, qui peut à la fois me faire plaisir, mais quand même m'interroger sur le timing et la pertinence. Donc, je sais pas où me situer. Très joli pull. C'est un t-shirt, mais... Un t-shirt, ah, pardon, je voyais pas tes bras. Comme ça, je pensais que c'était un pull. Très joli t-shirt, très jolie couleur. Oh, merci. Oui, c'est vrai, c'est le bleu national. C'est bizarre cette phrase en fait, pardon. Oui, non, je ne pensais pas à ça. Non, je trouvais que la couleur était belle. Voilà. Non, parce que ça va un peu avec le bleu du décor. Voilà. Ouais, puis ça fait un peu comme les manches de notre maillot d'entraînement, quoi. Exactement. Bonsoir, Jonathan D'Agostino. Bonsoir, monsieur Nicolas Pietrelli. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va. J'ai quand même bien dormi hier soir, malgré tout. Donc voilà. Mais j'avoue que pour les enseignements, pour réfléchir à des choses, c'était un peu compliqué, quand même. Ouais, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Hein. Ou alors, mais c'est un peu l'idée. Ouais, c'est ça. Quand tu as un non-match, tu as souvent des non-enseignements, c'est toujours pareil. Donc voilà, mais bon, on a essayé de creuser un petit peu. Quoi. Voilà. Ouais, tu vas nous, tu vas faire ça avec ambition. Ambition et... Enjeu et envie, bien évidemment, quand malgré tout, voilà, on garde quand même cette passion qui est là, quoi qu'il arrive. Exactement. Merci messieurs d'être là, hein. Mercredi soir, vous êtes rendus disponibles, c'est génial, je vous remercie infiniment. Après des tels matchs, on est obligé d'en parler. Quoi. C'est, tu vois, oui. Je pense que les gens ont besoin d'échanger par rapport à ce qui s'est passé hier soir, encore une fois. Oui, il y a eu un très bon débrief à chaud, moi j'ai trouvé, hier, ouais. Avec toute l'équipe qui était là, notamment David Baroudi, je vais en oublier, Secta et Alexis. Merci à vous de l'avoir suivi. On est en direct sur YouTube. Sur Facebook, sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. 12 200 abonnés. Chaque fois, je vais me tromper. 12 200 abonnés. Merci aux sociaux qui nous soutiennent. Si vous souhaitez devenir sociaux, le lien est dans la description.
Messieurs, je vous présente tout de suite le sommaire, le programme de cette émission. 1. Les enseignements, bien sûr. Guingamp-Bordeaux, on va revenir ensemble dessus. 1.2, on va parler quand même de ce qui a été positif dans cette soirée. Raphaël Strochek qui sort un pénalty et qui fait un match très intéressant, un gros match. Je dirais ce que vous en avez pensé. Et enfin, comment sortir de cette impasse et éviter le mur qui arrive devant nous. On a l'impression qu'on va se prendre un mur. On ne trouve pas d'impasse, on trouve pas de solution. Comment sortir? Ça a peut-être bougé aujourd'hui. Alors, moi, je ne pense pas que ça a bougé, mais bon, on a eu un article de l'équipe qui dit que David Guillon, le club réfléchit à son sort, voilà, se pose des questions. Donc, bon, peut-être qu'il pourrait quitter son poste dans les prochains jours, on ne sait pas. En tout cas, c'est abordé pour la première fois dans la presse. On en parlera. Et enfin, Grenoble-Bordeaux, c'est déjà samedi, c'est à 19h. Vos attentes et les pronostics. Et d'ailleurs, ça me permet de revenir sur les pronostics que nous avions faits. Eh bien, je ne les ai plus, les pronos que nous avions faits. Qui avait pronostiqué un 0-0? Un partout, on avait pronostiqué Joe, tous les deux. Ouais, j'ai pas dit défaite, moi. J'ai dit défaite aussi, je crois. Moi, j'avais dit défaite, je crois, 2-0. Peut-être j'avais dit 0-0 par optimisme. Et je crois que c'est Thomas qui avait dit 0-0. Eh bien, je ne trouve pas. J'ai mon cahier, mais est-ce que ce n'est pas le bon cahier? Je sais. C'était il y a si longtemps, Nico, c'était il y a deux jours. Non, 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 j'ai trouvé. C'est juste avant-hier, mais bon. Ouais, c'est pas grave. Joe, un partout. Ah, d'accord. Okay. Non. Je vois Gino 3. Ah non, non, c'est pas bon. C'est pas les bons. Gino n'était pas là, donc. Je vais y arriver. Joe, il avait dit 2-0 pour Guingamp. Ah, voilà. Joe, ouais, moi, j'avais dit défaite. 2-0 pour Guingamp. Je les ai retrouvés, excusez-moi. Sam, tu avais dit 1-0 pour Guingamp. Alors, moi, j'avais dit 1-0 pour Bordeaux. Et c'est Tom qui avait mis un partout. Voilà. Ouais, mais ils ont suivi sur le chat. Ils avaient la réponse avant toi, Nico. Ouais. Voilà. Le cahier, c'est eux, en fait. Je salue Laurent Debrive à qui je dois envoyer des choses et je pense à toi Laurent, je vais le faire. Raphaël qui est là. Pardon ? Non, c'est pas monétaire, c'est il m'a demandé quelque chose pour faire une surprise. Donc, je ne dis pas ce qu'il m'a demandé pour que la surprise soit réalisée. Je le salue en tout cas. C'est un fidèle Laurent. Henri qui est là. Benny Noise depuis la Martinique. Benoît, Jean-Philippe et Greg, Girondin Photo. Et tous, Xavier que je salue, Xavier, Christine et tout le monde, vous êtes François également, je suis désolé si je ne vous cite pas tous, mais vous êtes assez nombreux. Avant de commencer, un like s'il vous plaît pour nous donner de la force et nous aider à faire connaître cette vidéo. Messieurs, on ne va pas s'attarder puisque l'objectif c'est de faire un talk d'après-match et juste avant le prochain, mais qui ne dure pas une heure et demie, le faire en 60 minutes si on peut. On va voir si on y arrive. Du coup, je ne perds plus de temps. On va passer tout de suite aux enseignements. C'est parti. Allez, Joe, pour commencer, mais c'est toi qui commences. Les enseignements, qu'est-ce que tu retiens de ce Guingamp-Bordeaux? Pour commencer, c'est match nul 0-0. Non, mais le premier enseignement, c'est une équipe sans ambition, incapable d'accélérer le jeu et d'appuyer où ça fait mal. Quand l'équipe en face est dans un temps faible, pour Guingamp, ce sont les fins de mi-temps. Même l'entame du match Guingamp n'a pas été bonne. Et aussi, tu avais des situations dans le dos de la défense qu'on aurait pu exploiter, qu'on n'a pas suffisamment exploité. On a eu du mal à trouver Diaz parce que l'équipe de Guingamp avait décidé de fermer le jeu dans l'axe. Et avec notre peu de mouvement, ouais, ça a été facile pour eux de nous bloquer assez facilement. Donc, il y a quelques joueurs qui ont tenté des choses, mais c'est tellement insuffisant que certaines phases ont même été risibles. Je repense au grand pont de Badji, certaines relances de, notamment Zurico qui essaie de tricoter, qui se retrouve face à 3 GP, qui donne à Ekomi, qui la balance en touche dans l'autre camp. Voilà, des petites phases comme ça où tu te dis, bon, on se fout un petit peu de notre gueule quand même, là, du coup, on critique beaucoup de choses, mais je trouve que les joueurs, on les met un petit peu de côté par moment, et là, le match que j'ai vu, moi, très sincèrement, ne m'a pas plu du tout. Pourtant, je trouvais que l'entame n'avait pas été mauvaise, mais finalement, on n'a pas fait plus que. On n'a pas réussi à faire plus que ce qu'on fait habituellement, et c'est gênant parce que l'équipe de Guingamp n'était pas du tout au top, surtout après une défaite compliquée contre Laval avec un match il y a 3 jours.
Je pense qu'on avait les moyens de faire beaucoup mieux si on s'était donné un petit peu l'ambition. Mais bon, ça, après, c'est encore autre chose. Et ça fait écho un petit peu à mon second point, c'est quand même la faiblesse technique, surtout de notre défense. Au niveau de la relance, cette défense est de plus en plus en difficulté. Il n'était pas rare de voir Gregersen et Barbé quand même en difficulté avec le ballon. Et je repasse encore à Ekomi aussi la première mi-temps et comme j'ai dit, cette fameuse action où il balance le ballon en touche. On a souvent vu des ballons atterrir dans les pieds adverses. Et en début de seconde mi-temps, je nous ai trouvé très très limite défensivement. Alors que c'est le seul moment où Guingamp a accéléré un petit peu avec la rentrée de Courté suite à la blessure de Guillaume, justement. Heureusement que Guingamp n'a pas été bon non plus. Personnellement, avant le match, j'avais annoncé une défaite. Mais Guingamp avait l'air un peu carbo de son match de samedi, comme je l'ai dit. Donc, on pourrait dire que ça serait un bon point à l'arrivée. Mais en fait, quand tu vois la physionomie du match et le non-match qu'on a fait, c'est quand même très 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 frustrant. Et mon dernier point, c'est que c'est une équipe qui est à sa place, au milieu de deux classements à l'heure actuelle, avec des joueurs qui n'ont pas besoin de se challenger, on a l'impression, et un coach qui n'en a plus l'apparence ni l'envergure, et une régression du niveau global de notre jeu, de notre technique, de nos sensations de foot quoi du coup qui commence à être vraiment inquiétant quoi du coup on sent vraiment une régression globale dans cette équipe qui fait un peu froid dans le dos par moment. Je pense que les matchs de Rodez et de Pau nous ont fait beaucoup beaucoup de mal plus qu'on le croit plus qu'on ne l'a pensé. On ne s'en relève toujours pas. Entre les deux on a eu pourtant un été qui était plein d'espoir et qui n'a servi finalement à rien. Donc c'est quand même un petit peu gênant pour un club qui avait annoncé avoir de l'ambition cet été. Voilà. Merci Joe. Donc tu retiens les joueurs qui sont pas au niveau, la faiblesse technique de la défense et la régression du niveau global de l'équipe qui est Ouais, qu'on très est à inquiétante. notre place, quoi. On est 12e, je crois, un truc comme ça, si je dis pas de Oui, bêtises, c'est mais avec ça, un match à 12e. moins. On regardera le classement tout On à est dans le l'heure. ventre mou, voilà. On est vraiment à notre place. C'est qu'on est une équipe qui est très très médiocre, quoi, qui est un peu au-dessus de certaines équipes. Mais alors, ceux qui sont au-dessus de nous, là, on va se taper Grenoble ce week-end. Ah, serrez les fesses, les gars. Serrez les On en fesses. parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure de Grenoble. Merci Joe pour tes enseignements. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Monsieur Samuel Vasselin, on t'écoute. On va commencer par le match d'hier soir. C'est un match nul. Non, mais c'est un match nul. Donc en fait, ça porte bien son nom pour le coup. C'était pas vraiment un bon match de football de notre part, parce que c'est ça qui nous concerne. C'était malheureusement un match qui était dans la lignée de Valenciennes et qui confirme que tout ce qu'on a décrypté il y a 48 heures sur les propos de Guillon sur ce match. C'était une hérésie de penser ça, et ça s'est vu hier soir, puisque globalement, c'était une équipe médiocre qui était sur le terrain, avec pas forcément de maîtrise, comme lui le disait, avec pas forcément d'occasion franche, comme on était censé en avoir eu 8 contre Valenciennes, avec pas nécessairement de tempo maîtrisé sur la rencontre, parce que c'est Guingamp qui, finalement, sur certaines séquences, nous a fait le plus de mal. Donc on a vu un match vraiment, vraiment nul de notre part, et bien sûr c'est en partie à imputer à notre coach, aux individualités qui sont pas au niveau. Hein. Albert Celis qui, je prends Albert Celis, mais j'aurais pu en prendre d'autres, mais Albert Celis, c'est vrai qu'il a marqué sur 20 minutes contre Auxerre où tu es dans une position où tu fais le jeu et tu mets un peu de pression parce que tu as 3 buts de retard. Il marque contre Valenciennes parce que je pense que tu mets n'importe qui contre Valenciennes, il marque. Sauf Badji, malheureusement. Non mais c'est voilà, mais voilà. Et hier on l'a vu, il n'est pas encore au point pour jouer ce type de match et c'est pas comme ça qu'il doit être utilisé. Donc c'était vraiment mauvais. Ça fait le lien parfait avec mon deuxième point qui est que les choix n'influent pas sur le jeu. Je reste persuadé, comme on le disait il y a quelques semaines avec Philippe, que le meilleur match, la meilleure production reste le match de Pau. Et ça a été dit hier soir, notamment dans le débrief à chaud, et je ne vais pas paraphraser David, Alexis, Secta, qui en ont beaucoup parlé, mais c'est là où on a vu en termes de jeu le plus d'intention, le plus de choses positives finalement cette saison. Et hier, on a une équipe qui pense encore une fois, et on le disait hein, il y a 48 heures lundi, c'est ça en fait qui devient lassant et qui, moi, en fait, comment dire, avant ça m'énervait parce que. On n'était pas bon et maintenant ça m'énerve, mais en plus ça me désole parce que c'est des trucs qu'on sait, dont on a déjà parlé en fait. Mais
Guillon, qu'est-ce qu'il a fait hier? Il a remis l'équipe de Valenciennes avec Michelin. Voilà, parce que c'est l'équipe qui a Un gagné, on remet l'équipe. classique. Ouais. Le classique, on ne change pas une équipe qui gagne, mais bon, qui gagne comment, quoi. Enfin bref, il a remis son équipe de Valenciennes. Il s'est dit, on refait la même chose. Mais comme je viens de le dire, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est pas, et le problème, c'est que malheureusement, et vraiment malheureusement, ça a marché comme ça l'an dernier. C'est-à-dire que par miracle, grâce à deux, trois individualités, grâce à des pénaltys parfois un peu généreux, ça a marché pendant toute une saison. Et désolé de l'expression est très vulgaire, mais on a eu le cul bordé de nouilles pendant une saison avec tous les faits de jeu qui allaient plus ou moins dans notre sens et qui permettaient à Guillaume de continuer à croire que bah, ne jamais rien changer et rester sur un travail médiocre, ça va finir par donner un bon travail. Et ça me rend fou. Et bah, j'en viens à mon dernier point qui est les conséquences de tout ça et les conséquences de ces matchs ratés. Et de pourquoi ils sont ratés notamment, c'est SOS recrue en détresse à Bordeaux. Là, franchement, sur le début de saison, Marcelin, bon, normal, Gregersen est revenu, mais caput, merci, au revoir, bonne journée. Au milieu de terrain, qu'a subi, moi, je ne l'ai pas trouvé mauvais, et il y a des motifs d'espoir avec lui, mais on sent qu'il n'est vraiment pas en confiance. Pedro Diaz, c'est... Je vais reprendre une blague que j'ai déjà fait il y a quelques semaines, mais c'est Tom Hanks dans Seul au monde, sauf que Tom Hanks, au moins, il a un ballon. Non, mais voilà, il est tout seul, il essaye d'orienter, mais pff, tu veux qu'il joue avec qui? Il n'y a personne. Et encore là, Skripnik. il était pris par les gangampés en plus. En première C'est mi-temps, on n'a pas ça. beaucoup Ah vu, et non, mais donc parce que ils ont j'ai compris. rien à dire sur, j'ai Ils rien ont à dire sur compris. la qualité de ces matchs, hein, mais je dis Ouais. juste que, ben en fait, comment tu veux faire briller un mec comme ça quand autour, c'est un tel foutoir? C'est pas possible. L'Ivolan. Voilà. Moi, je n'étais pas forcément convaincu que c'était le bon profil, mais je pensais au moins que par rapport à son expérience en Ligue 2, tu allais le faire marcher. Tu n'en es même pas capable. Weisbeck, tu l'as plus ou moins buté. Enfin, buté. Vipotnik, pareil, dans le sens où ces mecs-là, en fait, ils avaient besoin d'enchaîner, de continuer à progresser. Ils avaient marqué contre Amiens. Alors oui, ils s'étaient passés au travers contre Auxerre, mais c'était peut-être leur utilisation le problème, pas leur prestation. Donc du coup, il fallait encore une fois encourager. Ah non, 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 mais Badji. Ben, ces mecs-là, aujourd'hui, t'as freiné leur progression et le fait que dans cette équipe, ils allaient se sentir de mieux en mieux. Tu sais pas gérer, en fait, c'est ça, ce genre de joueur que tu as recruté. Et quand tu fais la liste de tout ça, ben, tu te dis, mais... À part Ekhomie qui a fait un bon match hier... Qu'est-ce qu'il y a de positif? Et Strauss-Kahn, dont on va parler bien sûr. Et qu'est-ce qu'il y a de positif à tirer, quoi? Qu'est-ce qu'il y a de positif à tirer? Tu viens de faire 4 points en 2 matchs, ce qui devrait être encourageant. Et À pourtant, on tire l'extérieur. tous la gueule à l'extérieur. Et pourtant, on tire tous la gueule à se dire, mais Oui. on est mal barré. Ça ne va jamais le faire. Ce n'est pas possible. Ce qu'on voit, c'est juste pas possible. Donc voilà, comme d'habitude, hein, des enseignements Non, mais à c'est l'image très... de... Non, mais à l'image de ce qu'on voit sur le terrain, on est perdu. Tiens, je vais faire un enseignement, moi. Je vais donner mon enseignement. Je n'avais pas préparé, mais... Moi, j'ai un enseignement, c'est que je vois pas d'issue, quoi. Si tu changes rien, je vois pas d'issue. J'ai l'impression que on va re reproduire indéfiniment ses prestations. Et je vois un coach qui est perdu, qui a plus d'idées pour faire jouer son équipe. Et si tu changes pas le coach, parce que tu peux rien changer de plus là aujourd'hui, hein. C'est pas directeur sportif, il va pas partir. Les recrues, ben, il faut les faire jouer. Je Pour pense le coup, qu'aujourd'hui, enfin on bon, va on va parler dans les prochaines semaines, mais leur destin pourrait être lié, ce serait pas mal. Mais bon, ce sera pas le cas, on le Je sait, pense mais que ce ne sera pas bien le sûr. cas. Mais j'ai l'impression, moi, je voudrais juste rajouter à vos enseignements le mien, c'est-à-dire que ça, on est dans l'impasse, quoi. Tu as l'impression qu'on arrive dans l'impasse et que ça se resserre, tu sais, ça fait un peu comme ça se resserre, ça se resserre, et on va arriver, à un moment donné, on ne pourra plus avancer. Mais on y est déjà, Et donc, Nico, tu as raison de le dire. On est dans l'impasse, on y est déjà parce que moi, je là, trouve. on en reparlera dans les prochains jours, prochaines semaines, je sais pas comment ça va se dégoupiller, mais ce qui se passe avec Guillaume, le problème, encore une fois, et moi je le disais il y a 2 semaines et demie, je le disais dans cette même émission, et c'est pour ça que je dis que ça devient lassant et c'est désolant de voir que les trucs, on peut les appréhender et les annoncer à l'avance. Je vous avais dit, moi, s'il ne saute pas après Auxerre, qu'est-ce qui va se passer? Après Valenciennes ou Guingamp, il va sauter.
ou peut-être après Grenoble, ou peut-être après Caen. Et tu auras perdu un mois et demi. Et tu te seras déjà mis dans l'impasse. Et tu te seras déjà mis dans l'impasse aussi parce que le coach qui va arriver n'aura pas une trêve avec un nouveau groupe après un mercato pour travailler. Il devra travailler dans l'urgence. Il devra travailler avec des joueurs, des recrues qui ne seront pas en confiance, des cadres qui ne seront plus en confiance. En fait, il va récupérer un foutoir. Alors qu'il y a 2 semaines et demie, 3 semaines même maintenant, il aurait pu récupérer une équipe qui a fait une très bonne préparation, un très bon premier match, malgré le résultat. Peut-être et que le club... Vas-y, je te laisse finir. Mais qui n'avait pas le bon coach et à qui il fallait juste dire, en fait, les gars, moi, j'ai regardé vos 5 premiers matchs. Il y a du bon, il y a du moins bon. C'est pas génial. Mais ça, j'aime bien. Ce que vous avez fait là, j'aime bien. Ce que machin, etc. Et le mec aurait pu relancer la machine très vite. Là, le mec, il va arriver, la machine, il faudra la réparer avant de la relancer. Ça prend plus de temps et on n'en a pas. Vous pensez, bon, on va aborder le sujet tout de suite, on reviendra après peut-être sur le match, mais comment on en est là, on en est déjà à la solution et sortir de l'impasse. On reviendra sur le match après, sur les côtés positifs. Joe, tu penses qu'ils peuvent, donc il y a eu un article dans l'équipe tout à l'heure qui dit que bon, la direction se pose des questions. Bon, est-ce que c'est un article d'attente? Je pense qu'ils sont posés avant, du moins j'espère. Mais on est sur je refais le contexte. Donc Bordeaux ne monte pas, même si vous connaissez tous le contexte, mais je préfère le refaire. Bordeaux ne monte pas en Ligue 1. Le coach est en fin de contrat et il est renouvelé au mois de juin. Le club lui propose une année de contrat plus une en option. Si je ne dis pas de bêtises. Et là, on est 3 mois après et aujourd'hui, on lui a laissé du temps. Et ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu penses qu'il peut être sorti là dans les prochains jours? Très sincèrement, est-ce la solution? C'est 2 questions différentes. Ouais. Pardon, excuse-moi. Réponds la première et après la deuxième. Non, pour moi, en fait, entre guillemets, pour qu'il y ait de toute façon un véritable déclic, parce que là, de toute façon, il faut chercher un déclic. De toute façon, avec cette équipe, tu peux pas atteindre une progression. Sur du long terme, etc. C'est-à-dire que là, il faut un déclic pour moi, surtout vu l'ambition que tu as à la base, enfin l'objectif plutôt que tu as à la base. Pour moi, il y a 2 solutions, enfin, il y a 2 possibilités plutôt de déclic. C'est soit un match référence qui arrive très vite, notamment Grenoble ce week-end. Si tu arrives à gagner à Grenoble, ben là, je te tire mon chapeau parce que très franchement, quand tu vois la forme des 2 équipes, le collectif de Grenoble et la solidité de Grenoble, je ne sais pas comment nous on va faire pour lutter à l'heure actuelle. Très sincèrement, je ne vois pas comment pour moi, on y va en victime. Là-bas. Donc, soit tu as un match référence qui arrive, mais dans ces cas-là, très vite, c'est-à-dire tu as Grenoble et Caen, ou soit tu changes le coach. Mais on l'a déjà vu à Bordeaux, ça, et très récemment. C'est-à-dire que si on change de coach, ça ferait le 3e coach en 3 ans. Et on voit que changer le coach dans ce club à l'heure actuelle, dans cette structure-là, ça amène pas grand-chose de différent, en fait, du coup, parce que tu as les profils de coach qui sont sensiblement les mêmes. Donc, si tu dois changer de coach, il faut vraiment prendre un profil qui est assez différent quand même. Je parle plutôt dans la mentalité. Ce ne sont pas des coachs foufou, ce ne sont pas des coachs tu vois, qui engueulent les joueurs sans arrêt, etc. Et tout. C'est plutôt des coachs un peu protecteurs, calmes, voire, qui sont réputés même mous par moment. Mais en fait, moi, ce qui se passe actuellement, ça me rappelle la saison où on est descendu. Tu as un sentiment de déni, un sentiment de léthargie de la part du club. Tu avais plein de coupables à l'époque. Tu avais Petkovic, Koscielny, Costil et puis Guillon après derrière. Tu avais des joueurs cataclysmiques comme Niang et Mangas. Là, les coupables, c'est qui? C'est Guillon, tu as Livreland, tu as Westbeck, tu as des joueurs cataclysmiques. Ouais, voilà. Alors là, c'est le joueur cataclysmique. Les joueurs faciles, justement. Les joueurs faciles. Voilà, c'est ça, tu vois, c'est les cibles faciles, encore une fois, et tu vois très bien que tout se reporte dessus, mais on ne se reporte pas sur certaines choses qui sont plus hauts au départ. C'est-à-dire que le maintien de Guillon, on l'a tous compris maintenant. L'été, il a été raté. On se disait, bon, pourquoi pas dans la continuité maintenir Guillon? Et tu te rends compte que c'est un cataclysme parce qu'on a perdu notre force défensive. Et la force collective qu'on avait qui nous maintenait un petit peu l'an passé. On avait quand même un collectif qui était plutôt solide malgré tout, qui n'était pas, c'était pas impressionnant, mais c'était malgré tout solide. Ça tenait la route en Ligue 2. Et même ça, tu l'as pu. Donc, malheureusement, encore une fois, on voit qu'on est toujours au point zéro. Il n'y a pas de progression depuis le mois de juin. Bientôt, le coach sera mis dehors. On a pratiquement la certitude parce qu'on ne voit pas comment Bordeaux va s'en sortir, sauf, on va dire, déclic et référence. Mais très sincèrement, je n'y crois plus. Mais le problème, c'est que même en changement de coach, sincèrement, je n'ai pas l'impression que ça va apporter grand-chose à cette équipe et à ce club. Moi, la crainte que j'ai actuellement, c'est qu'on n'a peut-être pas encore vu le pire cette saison.
C'est ça qui m'inquiète beaucoup. Donc, sortir de l'impasse, c'est soit un match déclic ou soit un changement de coach. Mais le changement de coach, moi, très sincèrement, il va arriver. Mais je ne crois pas que ça va changer grand-chose. J'ai cette sensation-là. Et ça Faut me que la fait peur. méthodologie de fonctionnement avec le coach change aussi, peut-être. Mais il faut un coach fort. Il faut une personnalité forte pour moi. Et le Faut problème, une c'est qu'une remise en personnalité forte, question au ça va niveau te... en du fait, c'est ça, c'est que poste ça du va tout directeur remettre en sportif. question. Ça va te remettre J'ai là. tout l'aspect Tu fais sportif. pas. Et toute la direction du club actuellement. Et est-ce que la direction du club est capable d'être remise en question? Moi, j'y crois pas. Samuel, pour sortir de l'espace, alors t'as entendu Joe, il dit soit un match déclic, soit un changement de coach. De toute façon, le changement de coach, il l'a dit, ça va arriver. Il n'y croit pas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment sortir de l'impasse? Alors, moi, juste, encore une fois, comme j'ai dit, pour moi, il y a deux questions. Il y a comment sortir de l'impasse, je vais y répondre tout de suite. Enfin, je vais y répondre dans 2 secondes. Mais juste avant, est-ce que j'y crois? Parce que, je le disais lundi, pour moi, il avait, n'ayant pas été inquiété à la dernière trêve, c'est pas en prenant, après avoir pris 4 points à l'extérieur en 2 matchs, qui devrait l'être, normalement, si on fonctionne un peu logiquement, et visiblement si. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que j'ai l'impression qu'on a une direction qui fonctionne à l'effet d'annonce. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression, c'est que Gérard Lopez, hier, il a ouvert Flashcore, il a regardé classement Ligue 2 après le match, en découvrant le résultat sûrement sur son téléphone. Et il a vu 12e. Il a appelé Admar, il a dit, putain, c'est pas bien 12e. Hein. Et Admar, il a dit, ah, c'est pas bien. Ouais, c'est vrai. Ah, bah, qu'on fait quoi? Bah, on vire Guillon. C'est la pure fiction. Mais j'ai l'impression que c'est comme ça que ça se passe. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui se passe, c'est que Guillon, tant qu'il avait un immense soutien auprès de tous les supporters bordelais, pas très exigeants, c'est comme ça que je les qualifie personnellement, désolé de les vexer, mais pas très exigeants et qui se confortent un peu aussi dans le petit monde Guillon, etc., depuis l'an dernier. Ah, il est sympa, il est franchouillard, il a une bonne tête. Il parle bien, il ne ferait pas beaucoup de problèmes. Et puis, il a mis les jeunes. Hein, bon, il n'a pas eu le choix, mais il a mis les jeunes et tout. J'ai l'impression que parmi ces gens-là, quand, et on l'a vu, hein, contre Auxerre, hein, les gens nous le disent, hein, qu'il y a eu une petite partie du directoire des Ultras qui leur interdit de crier Guillon démission. À la grande majorité qui l'a crié, ça s'entendait très bien à la télé. La fameuse majorité qui doit rester silencieuse. En tout cas, j'ai l'impression que aujourd'hui, après ce qui s'est passé après Valenciennes et les déclarations de Guillon et l'ensemble des réactions qui ont été, et logiques, qui ont été comme la nôtre, profondément choquées de voir après le match et juste avant le match contre Guingamp, les deux conférences de presse, les deux explications, les discours et les mots qui ont été prononcés par Guillon. Et on l'a dit, nous, ici, hein, que ça nous paraissait totalement délirant pour un homme qui d'habitude maîtrise sa communication et que là, il a l'air en roue libre, il ne sait plus où il va. Eh bien, j'ai l'impression que c'est le moment de faire une décision de communication. Et ça, c'est exactement ce que savent faire Gérard Lopez et Edmar Lopez, à l'image des 40 millions de la DNCG l'été dernier. On fait de la com. Après, comme ça, les gens, une fois qu'on a fait un effet d'annonce, un effet de com, ils sont contents, ils se taisent, ils nous foutent la paix. Ce n'est absolument pas réfléchi, ce sont des choix stupides et incohérents. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que dans la lignée de tous ceux qui ont été pris depuis leur prise en main du club, ils en fassent un de plus. Parce que virer aujourd'hui Guillon, quand tu dis comment sortir de cette impasse, le problème c'est comme on vient de le dire, on est déjà dans l'impasse. Soit tu sortais de l'impasse avec un truc de nouveau il y a 3 semaines, soit aujourd'hui tu l'es déjà. Donc tu fais quoi? Tu vires Guillon après ce match ou Grenoble? Alors que tu vas jouer 4 matchs ultra décisifs et tu vas mettre quoi en place entre-temps? Tu vas avoir le temps de travailler quoi? Est-ce que tu as déjà un coach sous la main? On fait quoi? On dit à Denis Zanko, tu gères les 3-4 matchs les plus importants de la saison? Mais ça n'a pas de sens. Ce n'est, en fait, encore une fois, en termes de stratégie et de réflexion sportive, ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça, Nico, que je suis parfaitement d'accord avec toi quand tu dis depuis hier soir que finalement, il faudrait lier les destins, hein, comme à Koh-Lanta, entre notre ami David Guillon et son directeur sportif, au moins. Parce que moi, je pense qu'Admar Lopez, je ne suis même pas sûr qu'il prenne beaucoup de décisions. Je pense que ça vient de plus haut. Mais bon, à un Ah moment bon? donné, on ne va pas vendre le club en 2 semaines. Donc, si vraiment on était dans un club qui était cohérent, eh bien aujourd'hui, on vire les deux. Parce que c'est eux qui ont géré, comme deux ânes, cette intersaison où ils ont eu la main libre totale pour travailler avec des joueurs que tous, mais clairement tous les clubs de Ligue 2, tous les coachs de Ligue 2 rêveraient d'avoir dans leur effectif. Donc, à un moment donné, comment sortir de cette impasse? Moi, je ne sais pas. Parce que Joe, il l'a très bien dit. Même si tu changes de coach, je pense que tu vas à Grenoble. Moi, je crois toujours au fait qu'on est supérieur individuellement
grâce à nos qualités à beaucoup d'équipes. Je pense que tu peux gagner à Grenoble. Mais tu ne le feras pas grâce à un résultat sportif, entre guillemets, grâce à un projet. Parce que Guillon n'a pas, et le coach qui arriverait, entre guillemets, d'ici 48 heures, ce qui est impossible, n'aurait pas le temps de mettre quelque chose en place. Donc tu vas à la Grenoble, tu risques dans tous les cas de perdre. Tu vas jouer quand? Tu risques dans tous les cas d'avoir un match très compliqué. Donc en fait, à la limite, après quand? Pourquoi pas? Et encore, il resterait quoi? Un match avant la trêve? Pourquoi pas? À la limite, c'est pas bête. Comme ça, tu peux installer le mec, il a déjà un match à la maison. Pas à la maison. Aussi, à la maison contre Laval. Petit électrochoc, pourquoi pas? Après quand, je veux bien. Mais où balancer ça aujourd'hui? Au milieu d'une semaine où tu as trois matchs et après ne pas l'avoir fait depuis un mois, mais non seulement tu c'est pas le moyen pour sortir de l'impasse, mais en plus, encore une fois, c'est une gestion cataclysmique. Et personne ne bosse comme ça, à part les clubs de 3e, 4e, 6e, 10e division, parce que justement, bah, ce ne sont pas des clubs de haut niveau. Et aujourd'hui, pour répondre à tout ce que Joe a dit, ce que tu disais, ce qu'il disait hier soir dans le débrief, ouais, moi je suis d'accord avec vous. En fait, Bordeaux, ils sont à leur place en Ligue 2. Et encore, je trouve même que pour la gestion du club, ils sont plutôt bien payés par rapport à la manière dont ils planifient la gestion de ce club. Bon, t'as dit plein de choses. Je reviens juste sur une chose. Tu dis que, alors je vais le dire avec d'autres mots, parce que quand tu as dit âne, c'est bon, c'est un peu... C'est des super animaux, j'adore les voilà, âmes. Ouais. Et qu'est-ce que tu dis quand tu dis que l'intersaison n'a pas été bien gérée? Est-ce que tu as un exemple? Bah, la preuve, tu as eu les mains libres pour travailler, pour mettre quelque chose en place d'intéressant. Et à la première défaite contre Pau, tu as tout fait éclater. Donc au final, la gestion de ton intersaison qui devait te permettre de faire une bonne saison et qui pour le coup, moi, me semblait... Je ne dis pas que j'étais ultra enthousiaste à la fin de la prépa, parce que déjà la prépa, j'y prête pas une grande intention, même si je regardais les matchs, hein, mais je donne pas beaucoup de crédit à la prépa. Mais franchement, en sortie de prépa, après les matchs contre Pau, même après 3-0, faites-vous le débrief. Moi, je vous dis, je ne suis pas inquiet pour cette équipe. Ce soir, ce qui s'est passé, c'est plutôt encourageant. Et on nous disait, et même tout le monde, hein, rappelez-vous, le débrief d'après Pau, on avait l'impression qu'on venait de débriefer un bon match Girondin. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? T'as bossé pendant 6 semaines, tu l'as jeté à la poubelle le match d'après. Et depuis, à tous les débriefs, qu'on gagne, qu'on perde, on arrive en disant on n'en peut plus. On n'en peut plus. Joe, c'est qu'il y a un vrai problème. Joe, hier ça a été dit dans le débrief, je vais revenir dessus, il l'a un peu dit Samuel, en termes de préparation, on voit qu'il y a Albert Célis aujourd'hui qui joue, donc on joue avec Albert Célis titulaire, qui n'a pas fait la préparation avec Bordeaux parce qu'il était blessé, il ne devait pas rester, mais finalement il reste, et on joue dans un système qui n'est plus le même, et tes recrues, comme l'a dit Pierre Ducasse, sur l'ancien joueur sur Internet, et les recrues qui doivent te faire du jeu, tu ne les fais pas jouer. Donc, on a l'impression qu'on est à l'envers, là. Comment est-ce qu'ils perdent les pédales, là, dans le staff, en termes de... Ou est-ce qu'il faut encore leur laisser du temps? Je vous demande ça parce que c'est mon rôle aussi en tant qu'animateur. Parce que est-ce qu'il faut aussi leur laisser du temps? Parce que finalement, David Guillon, on lui dit, on te rajoute un joueur, mais tu dois l'intégrer. Élise, tu te débrouilles, tu l'intègres. C'est lui qui ne sait pas faire. C'est son staff qui lève pas. Est-ce que c'est tout? Est-ce qu'ils sont perdus? J'arrête de parler. Perdus, oui, mais c'est surtout qu'on connaît les Girondins de l'ère Lopez. C'est une panique à tout va à chaque fois. En fait, le problème, c'est qu'en fait, c'est encore une fois, c'est en fait, t'as l'impression que les mecs, ils pensent que ça va rouler tout seul. Dès qu'il y a un grain de sable, tu sens que ce club, il panique tout le temps, tout le temps. Mais il aurait fallu faire quoi du coup? Qui change pas son projet de jeu? Qui continue? Effectivement, tu as cette il idée-là. Il ne peut pas le tenir. Après, déjà, en fait, la problématique moi, que j'ai, c'est que j'arrive pas à dégager déjà un 11 titulaire au bout de cette journée. Moi, je ne peux pas te dégager un 11 type des Girondins pour l'instant. Ça, même déjà, pas ça un me système. Dérange. Et effectivement, même pas un système parce qu'on l'a changé très récemment et que, bon, c'est. Différentable comme table, c'est pas ridicule, mais après, en termes de jeu, ça reste la même chose. Voilà, fêter, ça reste la même soupe. Il y a un truc, moi, qui me fait dire qu'il y a encore une possibilité, même sans changer de coach. On a un exemple qu'on a connu très bien l'an passé, qui nous est passé devant juste à la fin. Le FC Metz. 13e journée, ils sont 12e, ils sont sur une victoire en 7 matchs.
Qu'est-ce qui se passe à Metz? Ils ne changent pas de coach. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a certains joueurs qui ne sont plus investis parce que le club vient juste de descendre, ou qui ne sont pas au niveau, ou voilà. Ibrahim Magnan, Kouyaté qui part au mercato d'hiver, entre autres, du coup, donc, peut-être leurs meilleurs joueurs. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font un tri dans le vestiaire. Ils créent un collectif, du coup, à ce moment-là. Ils chargent Miko Tadze, effectivement, de l'attaque. Ils remettent Sabali titulaire. Ils mettent Dalé Jean-Jacques au milieu, qui est un joueur qui est, moi, je trouve, médiocre, mais qui te permet d'avoir un mec qui protège au minimum la défense. Ils arrivent à créer un collectif comme ça. Et après, c'est la meilleure équipe sur la phase retour derrière. Voilà. Mais parce que, tu vois, entre guillemets, t'as quand même. Ils ont capté que le groupe qu'ils avaient d'effectifs, ils ont fait des choix forts. Est-ce que tu vois les Girondins de Bordeaux dire, par exemple, à Ignatenko ou à Livolan actuellement, te dire, mon temps, on te met de côté parce que pour l'instant, t'es pas au niveau. Mais ça voudrait dire qu'il y a des joueurs qui sont pas dans le projet s'ils font ça. Est-ce qu'il y C'est en ce a là, que. Mais c'est ce qu'a fait aujourd'hui à Metz. Bordeaux? Mais c'est ce qu'a fait Metz. Mais Se t'as eu le poser la mercato question d'hiver qui a fait. sur Ouais, mais. l'investissement des joueurs. Oui, mais bien sûr. Mais c'est pour ça qu'Ibrahim Magnan n'était pas investi. Et Kouyaté était un joueur qui pesait peut-être un peu trop pour le moment dans le vestiaire. Du coup, ils ont fait le tri comme ça. Ils ont créé un collectif. Ils ont recréé un collectif, tout simplement, à l'intérieur, du coup. J'ai compris. Je transpose sur Bordeaux. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez qu'il y a des joueurs qui ne sont pas investis sur le terrain? Bah oui. Parce que nous, on n'est pas à l'intérieur du groupe. Mais non, mais. Excuse-moi, mais t'as des situations quand même. Regarde l'entrée de Zurico. Excuse-moi, mais il calcule pas ce qui se passe autour de lui. Quand il prend le ballon, il est tête baissée, il court tout seul. Il regarde même pas ses potes à côté. Dis franchement, c'était quoi le but de son entrée au départ? On lui a dit, écoute, prends le ballon et essaie de faire la différence tout seul. Ben, si lui, il est pas bête, Après, à un Joe, moment donné, voilà, tu vois. moi je trouve qu'on fait fausse route. Parce que, enfin, l'exemple de Metz est très intéressant, hein, je dis pas le contraire. Mais personnellement, moi, j'ai pas l'impression qu'on soit dans la même situation. Bologna, c'est un entraîneur qui vient d'arriver, c'est un entraîneur qui a une grosse connaissance du foot français. Il fait des choix au mois de novembre parce que, en fait, il connaît le comment dire, le il voit c'est quoi, il voit qu'est-ce qui se passe dans son club et c'est quoi le problème. Après l'avoir apprivoisé, un, deux, trois, l'avoir apprivoisé, pardon. Guillaume, pour le coup, et moi c'est là où je suis pas d'accord comment dire, sur ce constat, c'est que nous avons besoin de changer d'entraîneur. Parce qu'en fait, David Guillaume a eu trois effectifs différents, trois effectifs neufs. Ça, on peut pas lui enlever. Enfin, on peut pas, comment dire, on peut pas l'oublier et ne pas lui se dire que quand même Guillaume, parce qu'on disait, ouais, le groupe il est pourri la première année. Excusez-moi. L'équipe que David Guillon récupère, la moitié de l'équipe par rapport à la première partie de saison, elle est changée. Et Tu parles de la quoi? Tu moitié de l'équipe parles en Ligue 1 sur les en derniers Ligue 1. mois? La D'accord. moitié de l'équipe, dont les trois quarts du 11, la moitié, c'est des nouveaux joueurs. Et les joueurs qui restent, c'est des joueurs qui, à part Zerkan et les deux, trois joueurs qui étaient titulaires, genre Adli, etc. C'est des joueurs qui étaient arrivés l'été d'avant avec le mercato on sait faire et la recrudescence incroyable de mecs qui sortaient de je ne sais où. Donc, il a un effectif quasi neuf. En Ligue 1, il fait n'importe quoi. Je sais que comme il y a encore trop de défenseurs de Guillon, c'est pas possible d'avoir le débat. Mais un jour, on se posera, on parlera une heure et demie des 11 matchs de David Guillon en Ligue 1 et de voir à quel point il est responsable. Arrêtons de dire que c'est Petkovic Mais bien uniquement sûr ou qu'il a sa Petkovic. responsabilité, Bien on est sûr qu'il a d'accord. ça. Mais je vous dis, un jour on se Mais ce n'est posera. qu'un élément de tout ce qui s'est passé Tout à sur fait, mais ces mois-là. à ce Voilà. moment-là, il n'est pas capable d'utiliser son effectif. On a les mêmes problèmes contre Angers, contre Après. Nantes, contre Troyes. Il relance des adversaires pour le maintien. Il perd ses matchs. Il maîtrise rien tactiquement. L'an dernier, contexte plus compliqué, mais quand même un effectif de qualité pour la Ligue 2, voire le meilleur. Même problème, problème d'utilisation, problème de gestion de ses matchs, de maîtrise, de choix sur ses joueurs, de mise en confiance de ses joueurs. Qu'est-ce qui se passe? Il relance à chaque fois des équipes qui sont bien inférieures à nous. Il perd la montée. Et là, on repart troisième fois, troisième nouvel effectif, troisième vent frais, et c'est le même constat. Donc en fait, c'est là où moi je fais un pas de côté par rapport à la situation de Metz l'an dernier, où il y avait effectivement des joueurs qui traînaient leur spleen de la Ligue 1. Nous, les joueurs, ils traînent le spleen de quoi? Barbé Nsimba, soi-disant, enfin, ils Peut-être sont du match de amoureux du. Rodez. Bah qui? Mais qui alors du match Rodès? Mais les joueurs qui étaient là présents à Rodez, il y en a peut-être qui sont pas remis de Bah ça alors, et qui ont plus la même motivation parce que du coup ça les Barbé a. Nsimba peut-être? Barbé Mais Nsimba, pourquoi mais pas? alors, dans ce cas, pour le coup, Barbé Nsimba, c'est pas normal parce que c'est des mecs censés être amoureux du club et Oui, ils ont quasiment le mais lendemain de oui, mais Rodès, bon. tous les deux dit qu'ils restaient.
à faire des grandes photos, à faire des grands machins avec les maillots et tout. Donc ça veut T'avais dire que pour moi, Yatenko, t'avais pour moi, Zuriko, t'avais du monde quand même encore. Yatenko, qu'il ne nous fasse pas croire que ça lui a fait quelque chose au Rodez, parce que c'est le seul match qu'il joue sur la deuxième partie de saison. Il était dehors de l'équipe parce qu'il était catastrophique. Donc qu'il ne la joue pas sentimentale, Yatenko, je ne vais pas trop lui laisser passer ça. Qui, en fait, parce que le problème, Joe, c'est que ces joueurs-là, limite, c'est des joueurs. Parce qu'Yatenko, pour en Tu vas dire en un venir mot. où, Sam? Non, mais Yatenko, par exemple, Nico, moi, son début de saison, je ne joue pas si mauvais. Enfin, il est mauvais. Mais par rapport à l'échelle Yatenko, c'est pas le pire sur le terrain. Moi, en fait, le problème que j'ai aujourd'hui, et pourquoi je vous dis que c'est Guillaume le problème, c'est que les joueurs que je vois pas bien sur le terrain, Vipotnik, Weisbeck, Livolan, ces mecs-là, ils ont 6 semaines dans le groupe. C'est qu'il y a un problème, en fait. Oui, mais bon, ça, je pense que le constat, on le fait tous, hein. Le seul On voit joueur les qui est bon, c'est matchs. un joueur revanchard, c'est Michelin, parce qu'il s'est fait insulter toute l'année. Par nous, les premiers, enfin, insulter, critiquer. Mais sinon, qui tactiquement est mis en valeur dans cette équipe depuis le début de saison? On est d'accord là-dessus. Mais Personne! le constat, on Donc l'a c'est pour fait, ça que je vous dis, on l'a fait. non mais c'est pour ça que je vous dis, le principal problème aujourd'hui, quand tu vois la qualité, ça ne peut, en tout cas le problème numéro un, sur la première option, le premier bouton sur lequel il faut appuyer, c'est le coach et le directeur sportif. Mais ça, C'est encore dit. une fois, De toute on façon, sait ça que va le être bout, fait. il est, Non, voilà, mais il y a du là, scotch sur le bouton, hein, l'EDS, hein, donc. Mais faut c'est pas croire très qu'il y ait que ça. imagé. Il trouve les bonnes Non, formules. mais après, Non, quand j'ai dit ça, en fait, j'ai pris l'exemple de Metz, mais j'ai pas dit qu'il fallait pas changer de coach. Attention, hein. Je te dis juste qu'il y je a suis pas que... bien sûr. il y a Je t'ai pas que déjà ça, de toute exprimé dessus, façon, à là. travailler dans le club actuellement et dans l'effectif actuel. Parce que Ah, je le suis match que d'accord, Joe, j'ai mais vu tu connais, hier. on va nous dire, ah, il a raison, Joe, alors Ouais, c'est changeons pas Guillaume, il faut lui laisser encore une dernière chance. ça. Vas-y, Joe. J'anticipe tellement Non, que. non, non, Moi, mais je suis. là, Non, je non. pense que Non, c'est non, mais. unanime. Vas-y. Non, parce que sur le chat, il y en a qui dit encore une fois, je défends Guillaume. Encore une fois, je pense que je me suis fait mal comprendre, mais quand je prends l'exemple de Oui, Metz, non. je dis pas qu'il faut pas changer de coach. Je dis juste que dans l'effectif, il y a eu des choix forts qui ont été faits par la direction. Non, mais c'est intéressant de Par la réfléchir. On est là direction, pour et pas par le réfléchir. coach. Par la direction. Eux, la Mais de direction, toute façon, ils seront là encore jusqu'à la fin de saison, la direction. On le sait. exactement. Et de toute façon, Hein. Voilà. notamment de la part du coach, le nouveau coach qui arrive sera obligé de faire des choix. Il y aura forcément une ou deux têtes à couper, peut-être même une recrue, mais il sera obligé, parce que c'est Et ça un nouveau pour coach. sortir de l'impasse, donc on est d'accord, vous êtes quasiment unanime, et si tu vois la communauté, tu as l'impression que tout le monde pensait la même chose, il faut changer le coach. A priori, c'est ce qui va certainement arriver ces prochains jours. Mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non mais Il faut Nico, ça. alors le temps que tu t'en souviennes, tu vois ce qui est embêtant, c'est comment sortir de l'impasse. Tu vois, on parlait de... le problème, c'est que là, un nouveau Voilà, coach, quel il arrive. coach? Mais quel coach? Non Et mais, pourquoi non ça n'a mais, pas été laisse-moi. fait? Parce qu'ils n'avaient peut-être pas le coach sous la main. Encore, ils Oui, n'avaient alors peut-être c'est pas une possible. solution. Donc c'est pour ça qu'ils lui ont laissé du temps, le temps peut-être de trouver une Mais comment il solution. change le coach, par exemple, Nico? Parce que là, je viens d'y penser, mais en fait, le Quoi? coach, il va arriver, ben, tous les jeunes, ils sont partis. Donc comment tu le sais? Parce que c'est ce qu'on peut Je se dire comprends pas. aussi. Quand tu as un changement de coach, le mec, il arrive, les cartes, elles sont redistribuées. Tu as toujours un petit jeune ou un mec qui traîne son spleen, qui peut d'un coup aussi prendre une place un peu plus importante, entre guillemets, Effectif. mener un peu la danse. Là, le problème, c'est que ces mecs-là, moi, pour moi, ils ont été prêtés au mercato, par exemple. Non, mais il y C'est a des d'autres petits. Hein. joueurs Il y dans a Delima, mais l'effectif. bon, voilà. Non, mais il y a d'autres joueurs, mais je veux dire, un ou deux jeunes, comme l'an dernier, à l'image de ce qui s'est passé sur Joe. le début de saison après la DNCG, ça fait toujours du bien. On les a même plus. Voilà. Non, mais le temps, c'est peut-être parce qu'il se donnait du temps aussi de trouver une solution, c'est une dernière chance au coach, et parce que ça a un coût financier aussi, et qu'il faut trouver un coach qui accepte le projet, peut-être la façon de travailler aussi. Joe, quel type de coach? Juste, je vous entends sur sortir de l'impasse, changement de coach. Quel type de coach pour toi en termes de peut-être de personnalité il faudrait? Là, franchement, Parce que là, il aura un contrat d'un an. oui, mais j'ai envie de te dire, il faut un coach effectivement Même qui a pas. quand même du caractère. Pour moi, tu peux pas reprendre un Petkovic ou un Guillaume, tu peux pas prendre cette typologie de coach. La problématique, c'est qu'encore une fois, comme je dis, c'est pas la volonté, c'est pas on va dire le style le profil en tout cas qu'ils aiment au niveau de ces directions-là. Ils aiment des personnes avec qui ils peuvent échanger et avec qui la direction peut dire, ça serait bien que tu le fasses comme ça. On s'en a compris depuis qu'ils sont là. Très sincèrement, oui, on parle d'Antonetti, de Furlan, de Stéphane, etc. Mais ça a trop de caractère pour les Girondins de Bordeaux Mais actuellement. pourtant, Galtier, il a bien travaillé. Alors, Gérard Lopez, mais il était président. Il y avait quelqu'un d'autre qui gérait sur place pour lui. Hein. Donc, Voilà, il y avait un mais Campos, là, etc. Mais Galtier, c'est quand même un entraîneur avec du caractère, non? parce qu'il est arrivé pour sauver le club à ce moment-là et que ça a continué, que du coup ça a marché. Mais après, Galtier, peut-être qu'il arrive lui à faire comprendre certaines choses aussi. Peut-être qu'il arrive à échanger intelligemment aussi. Après, voilà, peut-être qu'il n'est pas bête aussi, notre ami Christophe Galtier.
Tout simplement, il arrive peut-être à se faire bien voir aussi là où il faut et quand il faut. Et des fois, tu peux avoir un profil sur le banc et un profil après hors du banc. Tu sais, c'est pas, voilà, après, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Maintenant, est-ce que tu as besoin d'un Poyet, d'un Gattuso sur le banc, etc. et tout? J'en sais rien. Très sincèrement, moi, ce Toujours, il qui. n'est pas si énervé sur le banc. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, mais tu sais, le joueur que ça a été. Quand tu es joueur, que tu as un coach comme ça qui, on va dire, qui arrive, tu sais le profil du joueur que c'était. Tu sais ce qu'il veut voir aussi sur un terrain quand même. Il va pas vouloir voir des mous, quoi qu'on en dise. Donc voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, moi, en Parce fait, qu'il j'ai reste du temps. l'impression. Mais oui, mais non, mais il reste du temps. C'est pas, comme je l'ai dit, Il on prend reste l'exemple beaucoup de de Metz, qu'à la matchs. 13e journée, ils sont dans la seconde partie de classement, ils sont à plus de 10 points de la première place, ils sont à la rue complet. Et puis la Ligue 2, on sait qu'elle est quand même assez resserrée. Donc voilà. Mais encore une fois, moi, j'ai l'impression que changer de coach, j'ai l'impression que ça ne lèvera pas le problème. Ok. Peu importe le coach que tu vas mettre, si tu ne veux pas un coach qui a vraiment envie de prendre les clés du camion, mais vraiment, hein, mais il faut que la direction du coup lui laisse les clés du camion, et ça c'est plus compliqué pour eux, je ne vois pas dans cette organisation-là qu'on a actuellement, un changement de coach, je ne vois pas ce que ça va apporter au club. Sincèrement. Bon. Samuel, je te laisse répondre là-dessus et ensuite on Je vais avance. aller très vite. Moi, je le dis depuis des semaines. Pour moi, aujourd'hui, le meilleur candidat sur le marché, c'est Julien Stéphan. C'est celui qui, pour moi, est le plus à même d'être capable sur 18 mois, parce que voilà, à un moment donné, faut avoir de la planification, un peu ce que notre direction n'a jamais eu. Sur 18 mois, c'est un mec qui est capable de nous amener en Ligue 1 et de faire en sorte qu'on y reste. Je ne sais pas s'il sera toujours entraîneur au terme des 18 mois. C'est un entraîneur qui, pour le coup, a une durée de vie assez courte sur les bancs. Mais en tout cas, c'est le seul qui, pour moi, avec les idées, avec les méthodes et avec l'envie et la volonté de venir à Bordeaux, même si là, je ne sais plus trop où il en est depuis qu'on a un président qui a balancé son numéro à 3 h du matin sur les réseaux. En tout cas, c'est pour moi le candidat le plus légitime pour arriver aujourd'hui et permettre à Bordeaux d'être très vite dans le bon sens de la marche. Sinon, quel type de coach? Je pense qu'il va falloir forcément. Soit moi je veux bien un coach à la limite de la Galaxie Lopez, un Sacramento, comme ça au moins ils vont jusqu'au bout. Voilà. Non, mais ils vont jusqu'au bout. Voilà. Sacramento, en plus, apparemment, il a des bonnes idées foot. Donc on va voir ce que ça donne. Comme ça, au moins, ils font jouer leurs joueurs. Au moins, ils pensent tous leurs trucs à eux. Et au moins, on a un projet clair. Ou alors, dans ce cas, si pas Stéphan, des entraîneurs plus réputés, qui seraient des gros entraîneurs pour la Ligue 2 et plus réputés, plus connus sur le sol français, type un Antonetti, un Montagnier. C'est pas le foot que j'aime à la base. Antonetti, pardon, j'ai dit Ancelotti, je crois. Mais On avait compris. Antonetti et Montagnier, qui sont pour moi, à l'heure actuelle, des entraîneurs qui. C'est pas le football que j'adore, mais c'est des entraîneurs qui te font monter. Alors, petite info quand même, parce que ça fait plusieurs fois dans les émissions que tu cites João Sacramento. Donc, c'est un adjoint portugais de 34 ans qui était au PSG, hein, qui travaillait déjà avec Christophe Galtier à Lille. Il était adjoint aussi au Paris Saint-Germain avec Christophe Galtier. Et, pour l'instant, il n'a pas encore quitté le PSG, je crois. Et il est annoncé partant du PSG, voilà. Et c'est quelqu'un qui a travaillé notamment avec Mourinho à la Roma aussi. Mourinho, Il est encore au PSG Sacramento? écoute, j'ai un article du mois de juillet où il est annoncé partant du PSG, du Parisien. Oh, Et le quand bel tu vas emploi sur, et quand, fictif. et quand tu vas sur le site du PSG, João Sacramento, entraîneur adjoint, pour l'instant. Voilà. Donc, bon, mais je crois Ah, savoir mais non, je suis que. bête, oui, bien sûr, mais non, il était revenu à Galtier, pardon, j'ai rien dit. Oui, avec Galtier, tout à fait. Oui, bah oui, c'est vrai, je suis con. Ce que Non, mais j'ai j'avais dit. oublié que Galtier avait été entraîneur du Ouais. PSG. Je pense tout le monde, hein, Voilà. mais. C'est libre. Donc voilà. Bon, messieurs, on va pas aborder la question, la méthodologie du travail du directeur sportif avec le coach. Pas maintenant. Ça fera peut-être l'objet d'une autre émission. C'est quelque chose qu'il faut documenter aussi. Donc, il y a du travail à faire là-dessus, même si certaines sources documentent ça. Ça sortira peut-être ici ou ailleurs. Néanmoins, on va passer au thème suivant. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter là-dessus, sur l'impasse. Bon, on a tout dit, On hein. verra. Vous avez Non, tout dit. il y a plein Il est de noms qui sont 20h20. cités sur le chat, hein, mais par exemple, à Stéphane, quand tu vois ce qu'il a vécu à Strasbourg à la fin, s'il est parti, c'est pas pour rien. Je vois pas ce qu'il viendrait faire à Bordeaux vu le fonctionnement des Girondins, par exemple. C'est Encore une ça? fois. Voilà. Stéphane. Stéphane, moi, il veut venir, je vous le dis, hein, Non, c'est mais lui, il veut venir à Bordeaux. non, mais je te dis pas que je veux pas le voir venir. Je te dis, quand je vois ce qu'il a vécu à Strasbourg, ce pourquoi il est parti, je ne vois pas ce qu'il viendrait faire aux Girondins de Bordeaux.
avec Ça ne notre dérange pas. structure actuelle. Visiblement, alors, après, encore une fois, Parce que, je pense, alors, je pour pense que entraîner et gagner de l'argent, ils sont prêts à accepter certains. Et puis Bordeaux, remettre Bordeaux dans l'élite du foot français pour un entraîneur, c'est très intéressant. S'il se replante une deuxième fois, Stéphane, il va perdre en côte. À Strasbourg, il s'est un peu planté. Un Puel qui était intéressé par des clubs exotiques. Par contre, Puel, je ne vois pas aller en Ligue 2. Hein. Qui était intéressé par des clubs exotiques cet été. Rudy Garcia serait bientôt libre. Après, il y a des jeunes comme Diga, effectivement. Non, mais il faut que ce soit abordable financièrement et un projet Ligue 2. Là, tu es sur projet Ligue 2. Hein. Et Diga, il vient de faire première partie de Ligue 1, il va aller en Ligue 2. Non, non, là, tes projets. Il voit le caractère du gars. Il a passé dans sa poche aussi, hein. C'est pareil. À voir. Ça sera intéressant à observer en tout cas pendant tous ces jours. On va suivre ça avec attention. Par contre, je vois des Irlais sur le chat. Moi, je suis vraiment pas fan de Bruno Irlais. Il y a bientôt Duprat qui va arriver, t'inquiète pas. Ouais, alors non, mais Irlais, vraiment, c'est un coach. J'ai jamais compris la hype, moi. Footballistiquement, c'est vraiment pas fou. Hein. Franchement. On va suivre ça avec attention sur le site webgirondin.com et aussi dans les émissions. Messieurs, un mot sur Rafał Strączek qui fait vraiment son meilleur match, je trouve, depuis le début de la saison. Joe, je te donne la parole sur Strączek. Un pénalty arrêté, une parade en fin de première mi-temps qui maintient Bordeaux dans ce match et qui permet de ne pas perdre la rencontre. Qu'est-ce que tu en penses de son évolution depuis quelques semaines? Alors, j'ai l'impression qu'on se contente un peu de peu parce que franchement, ce qui le met dans le match, c'est sa parade en fin de premier temps. Parce qu'avant, il y a deux sorties qu'il ne fait pas. Il y a une relance qui est contrée par Guillaume qui peut finir dans les filets. Donc, il peut être aussi, on va dire, le déclencheur d'une défaite qui aurait pu coûter. Mais il se rattrape bien. Mais effectivement, il se rattrape bien. Le pénalty, il arrête très très bien. La frappe sur Mergrem, effectivement, sur une perte de balle de la défense, sur une erreur d'attention, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, il te fait une heure sur 90 minutes. Donc, quand tu as l'ambition de monter, il faut que tu aies un gardien qui soit au top pendant 90 minutes. Pour l'instant, il n'a pas prouvé ce 90 minutes qu'il pouvait être au top. Mais, très sincèrement, je m'attendais à pire de ce garçon-là, vu, encore une fois, comment ça avait été géré durant l'été, où on disait, on te teste et on verra ce que ça donne. Très sincèrement, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour une équipe qui joue la montée? J'attends de voir, je ne dis pas que ce n'est pas suffisant, mais j'attends de voir, j'attends quand même d'avoir plus de certitude. Après, on sait que Metz, encore une fois, est monté l'an passé avec Oukidja. Donc, comme quoi, tout est possible. Qui a fait un super match contre Lens il y a 2 semaines. Ouais. Alors, Sam, c'est certainement un des pires gardiens que j'ai vu dans ma vie. Oui, sur Strosek, sur sa partie, un petit mot. Ça mérite un petit mot. Oui, bien sûr. Non, mais je ne l'ai pas mis dans les enseignements parce qu'on en parlait justement. C'est la note positive du soir. Je trouve que depuis l'arrivée de Johnson, il est un peu plus sous pression et paradoxalement un peu plus juste et affirmé dans ses interventions. Même là, hier soir, tu vois, effectivement, je voulais en parler, moi, l'erreur qu'il rattrape tout de suite. Alors oui, Baptiste Guillaume ne fait pas le geste qu'il faut, mais pour le coup, la manière même dont il contrôle le ballon, il repart direct. Il n'y a pas de panique, je trouve, dans ce qu'il fait, alors qu'il est énormément sollicité, je trouve, balle au pied, pour le coup, Rafał Strączek. Moi, j'ai été plutôt satisfait de ce qu'il a fait. Il est l'homme du match pour moi parce qu'il arrête ce penalty, puis il arrête vraiment. C'est un bel arrêt, quoi. Donc, s'il y a eu un homme décisif hier soir sur la pelouse parmi les 22 acteurs, ça a été lui. Et je suis très content pour lui parce que, comme l'a dit Joe, on a émis des doutes après le match contre Pau parce que bon, un gardien qui prend 3 buts et qui semble un peu à mort sur chaque situation, c'est pas forcément rassurant. Mais il prend confiance. Je suis content aussi pour lui parce que pour le coup je trouve que depuis le début de saison il a pas toujours été bien géré, que ce soit avec l'arrivée de Johnson, que ce soit avec le on ne garde pas, on ne sait pas, tu seras peut-être numéro 2, numéro 1. Donc voilà, globalement, je trouve que hier soir, il a bien répondu et pour le coup, on ne l'avait pas trop mis en cause après Auxerre parce qu'il n'était pas forcément grandement fautif sur le match. Je pense que s'il enchaîne les prestations comme ça, en espérant que Barbé et Gregersen se mettent au niveau, mais on ne parlera pas beaucoup de lui, ce sera bon signe. Parfait, messieurs, je vous montre dans Data Girondin sur Web Girondin, on avait sorti quelques stats avancées du match qui montrent que les plus grosses occasions avec ce pénalty sont du côté quand même guingampé. Bon, surtout qu'il n'y a pas eu de grosses occasions. Bordeaux n'a pas eu de grosses occasions manquées. On n'en a pas eu. Mais le match aussi terne de Guingamp. Moi, je ne sais pas ce que vous avez trouvé. La tête de Barbé, c'est pas une occasion.
Moi, je Je t'ai sais dit, pas, Nico, elle m'étonne pas, cette équipe de elle n'est pas Guingamp, on en a ressortie dans parlé les lundi. stats. Ouais, c'est bizarre. Et pourtant, on voit que Bordeaux a dominé dans les 30 mètres adverses, a réussi pas mal de passes par rapport à Guingamp, mais 80%, c'est vraiment un minimum hein, en termes de technique. C'est vraiment strict minimum. Et quand on voit les pourcentages de passes réussies de Guingamp, c'est très faible. C'est la Énormément de 10e déchets. équipe de Ligue 2 à ce niveau-là, donc c'est pas étonnant. Ouais. J'étais pas étonné. Mais c'est une équipe qui quand même prend des risques. On a vu que ça allait quand même pas mal de l'avant malgré tout avec le ballon. Ça perdait vite le ballon aussi. Et sur l'intensité, le pressing, le contre-pressing, c'est-à-dire à la perte du ballon, tu fais le pressing, Bordeaux est au-dessus, alors c'est quasiment équivalent. Par contre, Bordeaux a réussi moins de contre-pressing que son adversaire, il faut le noter. Et enfin, la hauteur de bloc, qui est beaucoup plus basse côté bordelais. Voilà. Même si dans les duels, on voit que Bordeaux était plutôt au-dessus de son adversaire. Après, c'est pas étonnant qu'on soit un peu plus bas que Guingamp vu la fébrilité de notre défense. Moi, perso, encore une fois, je pense que c'est ça aussi qui fait que l'équipe parfois a du mal à se, on va dire, à se projeter de l'avant, même si Michelin le fait très bien. On voit qu'Ekhomie, lui, le fait rarement. Le côté gauche, il était inexistant. Hier, tout passait à droite. On n'avait que cette possibilité-là, vu que Diaz, on ne pouvait pas le trouver au milieu avec le pot de mouvement et Sissoko était juste, c'était un fantôme. Donc voilà, et après, regardez juste les phases de relance Puis de la balle, elle Grenoble. brûle, quoi. Quand les mecs, Et ils ont la dans... balle dans les 30 derniers mètres, elle brûle de Non, mais ouf, quoi. même dans C'est nos un 30 petit derniers mètres à nous, marasme. hein, même nos sorties de balles, elles Ouais. sont pas bonnes, très sincèrement. Regardez bien les sorties de Grenoble le samedi, notamment les relances de Maubleu. Il fait des relances axiales sur Jessy Benet par moment. C'est des passes laser. Ça te casse déjà une ligne, rien qu'avec ça. Strauchek, il n'est pas capable encore de faire ça. Strauchek, il est bon sur sa ligne maintenant. Il n'est pas mauvais au pied, mais il peut pas prendre encore d'initiative parce que tu sais que derrière, tu sais pas si la défense pourra assumer ça derrière aussi, encore une fois. Et Barbé, on a eu un bon ballon à un moment donné sur Vipotnik, mais Barbé, pareil, régression dans le jeu, c'est pas bon du tout. C'est compliqué de faire remonter un bloc quand tu sais pas en faire ressortir un ballon correctement. Sauf Le qu'après, ils sont obligés classement. souvent de faire des longues transversales, les pauvres. Moi, j'ai en tête à un moment donné, Greg Garson, il est obligé de se balancer un truc à Ekhomie. Bien sûr, ça arrive jamais, mais il y a 70 mètres entre les deux, quoi. C'est pas normal. C'est pas Ouais, normal. d'accord. Bordeaux 12e avec 10 points et un match de retard. Grenoble, prochain adversaire, est 2e avec 16 points. Ils ont été battre Caen sur le Chez score de eux. 2 buts à 1 au stade d'Ornano. Bon, Caen est Voilà en les crise, hein. résultats. Caen est en crise, c'est la troisième défaite d'affilée, hein, Ouais. Et Furlan, ça commence déjà à... Là, aujourd'hui, les supporters, ça commence déjà à se dire, oulala, qu'est-ce qui se passe Il a avec fait Furlan? déclaration sur les jeunes Furlan. Je me suis dit heureusement qu'il n'était pas là l'an dernier, parce que Ben, il a surtout malheureusement, match on de se serait Grenoble fâché. qui connaissait pas certains joueurs en fait. Ah Les bah oui. supporters, ils l'ont vraiment de travers. Il y en a maintenant, Coco, comment tu peux oser dire ça, quoi? Surtout qu'il y a des joueurs qu'il a ramené lui. Voilà. Ouais, c'est limite, hein. Je sais pas si. C'est Même Furlan. sa fin à Auxerre était très limite aussi. Il a un peu changé, Ouais, je mais trouve. Mais bon, c'est je vais pas. Furlan. Il est plus comme d'habitude, je trouve. Il y a eu un changement, une évolution dans son discours, dans sa personnalité. Je trouve qu'il a complètement changé. Après, je le prends quand même à base de Guillaume. Donc, on reste sur un match nul. Victoire à match nul. Tu disais 4 points en 2 matchs. La petite séquence, Grenoble, on va en parler tout de suite. Il nous reste quelques minutes. On va un peu dépasser. Donc, Pardon. Grenoble, 30 septembre. Caen, 3 octobre. Et Laval, 7 octobre. Ça veut dire qu'on a un match samedi. On a un match mardi. Et on a un match le samedi qui suit contre Laval. Que des équipes qui sont mieux placées. Hein. Vous l'avez vu. Hein. Je vous remontre le classement. Grenoble, 2e. Caen, 7e. Et Laval premier, voilà. Que des Tu équipes dois faire mieux 9 placées. points dans un monde normal. Dans un monde normal, tu dois faire 9 points et montrer qui tu es. Moi, j'avais parié sur 6 points sur cette séquence Guingamp, Ben, ce sera Grenoble, un Caen, échec. Laval. Oui. Je pensais que c'était ce qu'on était Ah, capable avec de faire. Guingamp. Ah, avec Guingamp, j'avais Pardon. parié sur 6 points. Ah, Alors, oui, je ce serait pensais une pas faute qu'on était capable professionnelle. de faire Pardon, mieux. Oui, mais je bon. Quand tu vois requalifie le mon jeu, erreur. ouais. Donc voilà, l'équipe de Grenoble, je vous montre la compo. C'est une équipe, c'est la compo qui a joué face à Caen. C'est une équipe qui joue en 4-3-3 avec Maubleu, très très bon gardien dans les buts, et Meissaba devant, Pape Ouais. Meissaiba, Ouais, très alors il très n'était bon. pas vraiment titulaire, mais là il a marqué un doublé ce week-end. Parce qu'en fait, tous les Oui. joueurs étaient à un but avant ce week-end, en fait, du coup, et bah a marqué le doublé. Et ils ont enfin trouvé un attaquant qui plante parce qu'ils étaient sur, je crois, 5 buts en 6 matchs, je crois, pour une équipe qui était dans les 5 premiers, c'était un peu gênant. Et là, ils sont sur 2 matchs avec 2 buts. Donc ils ont quand même fait exploser un petit peu leur compteur but. Mais à défaut,
Ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'avaient pas pris de but jusque-là, et là, ça fait deux matchs qu'ils prennent au moins un but. Mais donc, tu vois qu'ils prennent un peu plus de risques, ils commencent à se lâcher un petit peu sur le fait qu'il faut quand même qu'on se fasse plaisir et qu'on marque quand même plutôt qu'on pense qu'en défendre. Mais après, Grenoble, ça fait des années où c'est une équipe qui est réputée pour sa défense. Ils ont fait 15 clean sheets l'an passé et 13 clean sheets la saison précédente. Là, ils sont déjà à 6 en 8 journées. Ils sont déjà pratiquement à la moitié de ce qu'ils ont fait il y a deux saisons. Et quand tu vois les deux buts encaissés, c'est une erreur individuelle du défenseur central contre Quevilly et un exploit de Abdi contre Caen. Oui. En plus, c'est une passe ratée qui est revenue dans ses piles. Il est à l'angle de surface, il frappe en lucarne, il ne peut pas mieux la mettre. Hein, voilà. Mais c'est une équipe quand même qui ne connaît que très peu d'erreurs défensives. Très sincèrement, on en voit très très peu dans cette équipe. Et même s'il y a parfois quelques largesses sur certains centres, notamment ou sur certains coups de pied arrêtés, sincèrement, pour les bouger, si t'as pas une qualité technique, si tu vas pas assez vite avec le ballon, je vois pas comment tu vas leur marquer des buts. Ou Allez, encore Sam, une fois, une erreur, et voilà. tu veux rajouter quelque chose sur Grenoble? Non, mais Non. t'as. Après, ah, vas-y, vas-y, Sam, excuse-moi. Ah non, mais j'allais dire non, non, si ce n'est comme tu as dit que c'est une équipe qui, moi, à chaque fois que je les ai vus jouer, est très casse-pied. Je dis pas ça pour leur manquer de respect, c'est dans le sens où c'est une équipe qui marque pas beaucoup, même si bon, là, va falloir voir ce que ça donne effectivement avec la confiance des derniers matchs. C'est une équipe qui marque pas beaucoup. Alors pour leur mettre un but. Et rappelez-vous l'an dernier, alors le match retour avait été plus facile, mais le match aller, même si on prend vite le rouge de Mwanga, c'était chiant dans le sens où, en fait, j'ai l'impression que le match d'hier, ça va être potentiellement un match qu'on peut revoir samedi. À la seule différence, c'est que si les Grenoblois, désolé de leur donner une idée, mais s'ils sont un peu futés, ils comprennent que là, c'est le moment d'aller bousculer l'équipe en face et que tu peux leur en mettre un petit tarif de deux ou trois buts. Si ça explose vite, quoi, à l'image d'Auxerre. Vincent Ognan, l'entraîneur, a appelé le public à venir au Stade des Alpes pour encourager son équipe après le match face à Caen. Et d'ailleurs, il y a une grosse campagne d'affichage dans Grenoble pour inciter les gens à venir au stade Parce ce qu'ils sentent samedi. qu'il y a Tu un vois, truc à faire. Ils si on sentent qu'il y a avait un un truc à peu faire. d'honneur, si on avait un peu d'honneur, on se souviendrait. Alors même si je comprends parfaitement, parce que c'est un ancien de la maison, mais on se souviendrait des propos de Ognan l'an dernier sur qui il voulait voir monter. Même si encore une fois, c'est un ancien Messin, donc je ne juge pas pour ça. Hein, c'est un très bon gars en plus. Mais voilà, on se dirait bon ben toi garçon, on va venir, on va t'éclater dans ton stade et tu vas prendre tes joueurs là. Non, tu vas prendre tes joueurs, vous allez rentrer chez toi et voilà, tu vois. Mais ça, faudra avoir de l'honneur, faudra avoir envie quoi. Et puis il faut Mais je suis pas avoir sûr. la connaissance du championnat. Tu crois que Pitouille connaît le nom de l'entraîneur Bah, bien de sûr, mais Grenoble? c'est même Et bon. Zourico, tu crois Alors que qu'il. pourtant, dans un pain pitou, des J'en sais oignons, de la rien, moi. salade, des tomates. Non. Ok, bon, messieurs, alors votre attente, est-ce que vous attendez quelque chose avec sûrement David Guillon sur le banc de touche, hein? Je pense qu'on Oui, est quel non. jour? On est mercredi, là, au moment où on Ouais, parle. franchement. Jeudi, Encore vendredi, une fois, David ce Guillon. serait tellement pas logique. Mais vous. Et... Une chose que tu attends de lui, Samuel, et après une chose que tu attends de lui, Jonathan, tout, je l'appelais Jonathan, c'est bizarre. Jonathan. de David Guillon, qu'est-ce que tu attends une chose de David Guillon sur ce match? Si Moi, tu attends Nico, une chose, sincèrement, ah, tu sur ne ce dis match, rien. parce que une chose, j'allais dire qu'il soit là lundi quand je suis là en conférence de presse, parce que j'ai pas mal de questions à lui poser, dans le respect, bien sûr, parce que c'est une très bonne personne. Donc j'espère qu'il sera là. Parce que de toute façon, il n'y aurait pas de logique à le virer entre ces matchs-là. Qu'est-ce que j'attends de lui contre Grenoble? C'est malheureux, hein, mais plus rien. Vraiment, hein, plus rien. C'était sûr que tu Allez, allais dire. j'attends lui Allez. que d'un coup il ait des. Non mais tu sais quoi? J'attends lui que d'un coup il ait des idées qu'il décide de faire jeu. Allez, tu sais quoi? Allez, vraiment pour jouer le jeu, j'attends de lui qu'il les porte et qu'il se dise, je remets en place ce que je voulais mettre contre Pau. Et cette fois-ci, ça va marcher. Ton pronostic. Allez. Non, je sais pas. Parce que avant-hier, j'ai été négatif et finalement, j'ai été trop négatif. Donc, je vais être positif pour peut-être rester dans la même veine et je vais vous dire victoire 2-0 de Bordeaux sur un doublé d'Albert Célis. Avec tout ce que tu Mais dis sur David Guillon, ça vu. paraît tellement irréaliste que Mais non, mais tu Nico, attention, surtout sur pronostiques une Ennis, comment, tout victoire. ce qu'il a dit sur Ennis Mais juste avant. complètement. Victoire dégueulasse, hein. Victoire dégueulasse, deux corners où les légendes qui traînent et tout machin, et derrière Barbet Gregersen qui font le boulot. Ça Mais veut dire victoire qu'au fond de toi, dégueulasse, mais vite. tu y crois encore un peu, il y a toujours une petite Mais flamme, Nico, une moi, petite même si étincelle. c'est. Tu Moi, crois? même si c'est. Non, j'allais dire une connerie. Mais peu importe qui est sur le banc des Girondins de Bordeaux, malheureusement, je serai avec lui parce que je ne peux pas souhaiter du mal à mon équipe.
Je peux pas souhaiter une défaite. Et pourtant, j'aimerais que Guillon dégage. Hein, pardon, enfin, Guillon oui, mais s'en tu aille, pourrais mais... faire preuve de réalisme et tu dire, non, moi, j'y crois plus, on va perdre. Voilà. Parce que, non, parce que c'est les joueurs n'en veulent plus et tout. Voilà. C'est ça non. Le problème. Non. C'est ça le problème, c'est que malheureusement, ce championnat, y compris contre Grenoble, peut te permettre de gagner ce genre de match. Sur... Parce que Grenoble, ils ont quand même un peu de pression, le stade et tout. Donc, c'est pour ça que je dis, victoire 2-0, doublé d'hélice. Et Guillon partira pas avant la trêve et ce sera pas plus mal à la limite. Et comme ça, à la trêve, on pourra vraiment. ce revirement en fin d'émission. Non, mais je fais un peu mon film. Hein. Désolé oui, pour les gens qui bah, disent parti, que je dois là. Trop prendre de drogue. Mais pour le coup, j'ai pas envie de souhaiter une défaite samedi. D'accord. Surtout que je suis là mardi. Donc dans quel état on sera si jamais il y a défaite samedi, quoi. Et oui, tu seras là mardi. Tu seras au Matmut. Et Grenoble, c'est... Je me le reprendrai peut-être comme un boomerang dans 3 jours, hein. Mais Grenoble, c'est pas une équipe qui me fait peur en Ligue 2. Je sais pas pourquoi. Samuel Démasqué nous dit, Marc, c'est un optimiste. Ah, moi, je suis un idéaliste même, Marc, si tu veux tout savoir. Magnifique. C'est souvent le propre des gens un peu trop cons parce qu'ils croient que tout va aller bien et en fait, non. Joe, on t'écoute. Tes attentes sur ce match, une chose que t'attends de David Guillon et ton pronostic. Guillon, écoute, quitte à tomber, autant qu'il tombe en épanache et qu'il tente vraiment un truc, mais ça c'est. Je suis idéaliste aussi comme Sam, donc ça c'est improbable. Je vais peut-être refroidir Sam en te disant que Sam, tu te rappelles d'Auxerre, leur collectif qui ont été bien huilé, leur système. Grenoble, c'est ça. T'as un 4-3-3 où t'as une vraie ossature d'équipe, t'as une défense, notamment au milieu, c'est les mêmes depuis les 7 premiers matchs, à part là, je crois, Mauffray n'était pas là, c'est Nestor qui a joué en défense, mais le milieu, Béné, Sylvestre, Rigaud, c'est nettement au-dessus de Girondin de Bordeaux de notre milieu. Même Diaz, il ne va pas exister dedans. Mais sincèrement, parce que le collectif, il est tellement bien huilé, il se base en fait sur ce qu'ils ont fait l'an passé. Ils sont dans la continuité de ce qu'ils font en essayant d'améliorer effectivement l'attaque, parce que l'attaque l'an passé était une problématique pour eux. Ils ont trouvé un déclic. Là, c'est la première fois qu'ils ont été menés contre Caen. Ils ont réussi à réagir en 3 minutes. Ils ont. Le contre-coup, Joe. Le seul truc qui leur manque, c'est de tuer le match. Le seul truc en fait qui leur manque pour l'instant, c'est de tuer vraiment le match. Contre Quevilly, contre Caen, ils se sont fait un peu peur parce qu'ils n'ont pas réussi à tuer le match. Mais très sincèrement, hein, quand je vois les 2 derniers matchs de Grenoble, quand je vois nos 2 derniers matchs, et surtout qu'à Grenoble, tu sens que depuis quelques mois maintenant, et là surtout depuis le début de cette saison à domicile, tu sens que ça va être une équipe imbattable. Ça va être très très compliqué de ramener ne serait-ce qu'un point. Début de saison, c'est un peu balbutié, mais très sincèrement, Ils sont partis sur... Moi, je pense que ça va être l'équipe surprise de ce championnat plus que Laval. Très sincèrement, parce qu'il y a des certitudes de l'an passé qui sont là. Et tu vois qu'il y a une amélioration chez eux qui est très intéressante dans le jeu. C'est pas une équipe, parce que même s'ils défendent, c'est pas une équipe qui est désagréable à voir jouer. Notamment Jesse Benet qui est un peu partout, etc. Il se passe des choses, il y a du mouvement. Ils n'ont pas encore trouvé leur trio d'attaque. Mais là, Bach, qui marque un doublé. Tu sens que ça va arriver d'ici pas longtemps, donc. Très sincèrement, pour moi, je me prépare à souffrir sur ce match-là. Je peux me tromper parce qu'on a vu la Ligue 2, on pense que vous regardez encore Concarneau qui va garder à Valenciennes, etc. Et tout. Tu te dis, bon, voilà, c'est improbable. Mais sincèrement, si on ramène une victoire de Grenoble, là, on aura le match référence pour moi. Peu importe comment ça se passe, hein, tu auras le match référence. Tu me payes un verre avant le match de Caen ? Si tu veux, mais j'y crois tellement pas. Et que sincèrement, t'es sûr que tu vas faire des économies. Pour moi, c'est défaite 2-1 au minimum, mais je ne serais pas surpris qu'on prenne même une valise. D'accord. Moi, je me dis qu'ils ont joué donc hier, comme nous, et que peut-être l'enchaînement des matchs peut les perturber. Le contre-coup. Le contre-coup, ils n'ont pas l'habitude d'être haut. Oui, je sais, je suis idéaliste aussi un petit peu. Surtout que nous, on n'a pas joué qu'un match et on est déjà fatigué. J'ai une pointe de réalisme, me dit, de toute façon, on peut rien savoir. Moi, ce que j'attends, c'est qu'ils nous mettent des jeunes à un moment donné, stop. Ceux qui, à un moment donné, fait quelque chose, réinvente-nous quelque chose, mets-nous de Lima. Quel jeune, Mets-nous de Lima, mets-nous Tébili. Et de Lima, tu mets à la place de qui? Mais je m'en fous, tu le mets à gauche, là, dans ton 4-3-3, tu le mets à gauche. Ouais, mais Komi, il a fait un super match. Sissoko, sur le banc, Sissoko, allez, un peu sur le banc, tu mets Weisbeck titulaire. Et tu mets VP et allez et on y va comme ça et puis tu prends le petit débile. Mais moi effectivement une attaque Élise VP de Lima, je trouverais pas ça con. Et Albert Célis, je pense que tu le mets un peu au frais parce que et tu mets peut-être David Tachvili aussi pour le d'entrée de match parce que ça fait deux fois qu'il fait banquette et il faut le faire jouer. Parce qu'Élise pour moi c'est le seul joueur qui est pas traumatisé. Le terme est fort. Hein. Mais c'est le seul joueur, en tout cas, qui n'est pas dans cette machine à laver depuis le début de saison,
où ils ont commencé avec un projet de jeu et derrière on leur a lavé la tête en disant non, faut pas faire ça. Voilà, il faut, on a pris une branlée, on est mauvais, il faut qu'on joue. Et donc en fait, Elie, c'est le seul truc que je vois moi sur le terrain quand je le vois lui et Pedro Diaz, c'est qu'en fait c'est les deux seuls joueurs qui n'ont pas vécu vraiment cette préparation et cet Faut... échec de la préparation. Je pense qu'il faut de la grinta dans cette équipe. Les gars, on a l'impression qu'ils sont cramés dès qu'ils entrent sur le terrain. Il faut de la fraîcheur. Et la fraîcheur, mais la fraîcheur, tu la trouves ailleurs, quoi. La fraîcheur, mais tu vas la chercher chez les jeunes, quoi. Je veux dire, il n'y a que ça. C'est Hein. ça, mais c'est ce que je Ouais. t'ai Il dit. n'y a pas de C'est, choix. mais tu vois que les Pas de mecs sont sur le solution. terrain, ils ont pas envie de jouer pour ce coach. Ou ce Ouais. coach ne leur donne pas envie de jouer. Ou ils ont personne envie de jouer. Ou c'est... Mais en tout cas, il n'y a pas de plaisir. Moi, je vois pas des. Autant l'an dernier, on en voyait, encore une fois, on a compris que c'était individuel. Mais cette année, je n'en vois pas. Et moi, c'est ça qui me fait vraiment. Je l'ai vu un peu contre Amiens. Sur 10 minutes, quand Welsbeck et Vipotic ont marqué, quand ça s'est un peu emballé, bah, j'ai envie de retrouver ça en fait. Et Allez, c'est ça viendra 0-0 que. pour moi. Mais ce que tu dis, c'est ce qu'on vivait avec Pardon, je t'ai Gasset coupé. et Petkovic aussi. Hein. De quoi? Des joueurs qui n'avaient pas envie de jouer pour leur coach. Ouais, bien sûr. Voilà, donc Ah encore ouais, une bah de toute façon, fois. on a fait. Les mauvais choix sont légion. Pour leur coach Voilà. et bon, à l'époque, Pour le Sergio, c'était club, pas moi, j'ai vraiment envie de bien. te dire. Hein, Voilà, parce que oui, voilà, voilà, exactement. mais Allez, je c'est, t'ai bon, en fait, coupé. c'est là où je veux en Ouais. venir, c'est Ouais. que encore une fois, c'est on répète certaines choses. Avec deux directions différentes, quand même. Non, c'était la même. Non, Gasset, c'était l'ancienne, mais Ah, voilà. vous parlez de Gasset, d'accord. Ouais, je dis Gasset et Petkovic parce Pardon. que les trois derniers, regarde le constat, il est le même à chaque fois pour les joueurs. T'as pas de motivation, t'as pas Oui, d'envie, la t'as pas direction d'avant, elle a fait d'esprit un beau cadeau derrière. en arrivant, elle a pris Ricardo. Ouais. Oh, c'est coucou les guys, super. Je répète les pronostics, Sam. Victoire 2-0 de Bordeaux, Joe 2-1 pour Grenoble ou une valise, et moi 0-0. La valise Mais en a marre. est-ce que vous avez dit tout ce que vous souhaitiez dire dans cette émission? Bien sûr. Bon, Ben, parfait. moi, juste un mot, les gars, pour tout le monde. Bon courage samedi. Eh bien, merci, on sera Joe, on a là. l'impression qu'on fait un J'espère. Non, mais j'aimerais trop avoir tort et être peu. surpris. Hein. Mais vraiment, ce que je vois depuis deux matchs, c'est quand je vois On Grenoble et sera quand je vois nous. là. Et quand je vois Joe, j'ai nous, notre l'impression qu'on régression. part à Verdun, là. Non, mais les gars, en même temps, hein, Ah. je dis, est-ce qu'on veut un changement ou pas? Ah, donc Oui, toi, on tu sera veux. Non, là. mais oui, mais Voilà, bon. encore une fois. Est-ce qu'un Vous aurez changement les avant stats Coupe, c'est avancées logique? dès le lendemain sur Web Girondin. Donc là, on a fait une émission lundi, on a fait une émission mardi, une émission mercredi. Il y aura une émission samedi soir pour le débrief à chaud, donc à 22h, puisque le match est à 19h. Je remercie les sociaux qui nous 21h soutiennent. maintenant. 19, 20, 20, à 21h, oui, tout à fait. Tu as raison. Bon, Merci à de 22h, vous aurez le corriger. replay, hein, si vous arrivez à Vous aurez le 22h. replay à 22h. Bon, Merci c'est de peut-être corriger, pas fini Samuel. encore. Ça sera peut-être pas fini, allez, à ce moment-là. Tu as Okay. raison. Il y aura talk lundi prochain avec le retour de Gino, si tout va bien. Sam, toi, tu ne seras pas là. Est-ce que tu seras On va voir, on va voir. Je serai à Bordeaux, sur normalement, Bordeaux? j'ai pas mal de trucs à faire, Il y mais aura je vais la essayer de conférence de prendre une demi-heure presse au moins. à suivre sur les réseaux du club des Girondins. Le mardi, il y aura le match de Caen. Donc, envoyez-nous de la force, soutenez-nous. Vous aurez des contenus exclusifs aussi sur le site, notamment les stats avancées avec Tata Girondin, la suppression de la publicité quand vous êtes sociaux sur le site, l'accès au Discord et un soutien à ce qu'on fait. Voilà. Je vous remercie. Merci, messieurs, de vous être rendus disponibles. C'était super. J'espère que vous avez un peu vidé votre sac, mais que ça va mieux après l'émission qu'avant. Voilà. Voilà. J'espère que chez vous aussi. Quel que soit l'endroit où vous êtes, et puis restons solidaires entre nous et Ah oui, pour notre il reste club. pas vraiment la Voilà. guerre là, les gars. C'est Restons t'as l'impression qu'il reste. solidaires. Non, Il mais reste oui, plus que nous, t'as l'impression par moment, des fois. C'est restons assez navrant, solidaires après, c'est entre vrai nous, c'est important. que. Écoutez l'avis de tout le monde Quand je dis nous, c'est les et supporters, hein, respectez attention. les avis des gens, même si ce n'est pas le même que le vôtre. C'est aussi important de pouvoir discuter. Essayez Voilà. d'avoir des avis cohérents quand même. Juste. Voilà, non, ça y est, Samuel, Non, ne divise pas les gens. mais Les arrêtez de supporters. venir me dire, Guillaume, c'est quand même un bête d'entraîneur. Il a gagné une Non, Ligue mais 2. moi, je pense qu'on Voilà. pourrait faire une émission dessus où j'essaie de Me trouver dites des pas ça, quoi. arguments sympathiques sur lui. L'intégration des jeunes l'année dernière, etc., Et celle de etc. cette Bon, on va pas le refaire. année. Non, cette année, ils Bon. sont plus On là. relance pas, on ne remet pas une pièce dans la machine. Non, Tu le allez. sais Je comment ça se repars pour passe. 1 heure et demie, moi, Je sais, on va pas t'énerver, tu as été plutôt calme. C'est vrai. Merci à toutes et tous, prenez soin de vous et merci aux sociaux. Je remets le générique des sociaux que je vais refaire certainement après le match de Caen. Voilà. Avec le nouvel Salut. entraîneur. Ciao. Peut-être, pour le mettre en photo, c'est une possibilité. Allez, salut, ciao. Bonne soirée, ciao.
I used to stick around, definitely not for too long. But boy, you got me hooked and made me wanna write this song. Got all guys already scared, but I'm aware that you're special. So let me take us somewhere where we could be alone. When I look at you, I see a pretty picture. You the sun, I'm the sky, and we're so complete. Let me water you, my flower, I'll teach ya how to open up real nice, baby.